On the afternoon of the 26th of June 1944, German troops marched into the Burgundy village of Dun-les-Places. They were there to take reprisals for the killing of German forces by local resistance groups. They arrested a number of male villagers, interrogated them in the local cafe, lined them up in front of the church, and shot them. 21 hostages died. A further 6 were shot in the nearby hamlet of Vermeaux. Claude Pichot and Simone Balou both lost their fathers on that day. On était enfants, on était jeunes, moi j'avais 16 ans. Claude avait 8 ans. Et on garde un souvenir terrible, c'est... On peut pas s'enlever ça de la tête, c'est trop pénible. In Dun-les-Places, the wives and children of the hostages were forbidden to leave their homes while the Germans interrogated their menfolk. Around 10 o'clock in the evening, they heard the first shots. Oui, 10 heures à peu près. Il faisait grande nuit et puis il y avait un orage en même temps. Alors c'était effrayant. C'était effrayant. Je me souviens que ma mère m'a dit ils sont en train de tuer ton père. Mais je dis non, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Je me rendais pas compte, je sais pas, j'avais 16 ans. À ce moment-là, surtout, à 16 ans, on était une petite fille. Hein. Et on est resté comme ça dans la maison jusqu'au mercredi, sans avoir le droit de sortir, à attendre. The paving slabs in the porch entrance still bear signs of damage caused during the massacre. It was here that the survivors came to identify the dead on the morning after the killings. Simone a elle découvert. Oui, moi je suis montée avec maman et le premier que j'ai trouvé c'était mon papa qui était étendu là. Bon, et puis alors après on a fait le tour. En dessous le porche, c'était un amas de jambes, de bras, de c'était affreux. Il y en avait un qui était là tout seul. Bon, ben pourquoi qu'ils étaient tout seuls, ceux-là, on s'est toujours demandé. On a récupéré la carte d'identité de mon père à côté de lui. Il espérait peut-être, je sais pas, sur la pelouse là. Mon papa était avec 5 autres, je crois, 4 autres dans le coin. Mais il y avait, 50 ans plus tard, ce qui nous questionne beaucoup, en dehors de la douleur qui peut être encore la nôtre ou de ce qu'on a dans les têtes, c'est vraiment la barbarie. C'est vraiment le problème de la barbarie humaine, quoi. Parce que là, les hommes avaient été achevés à la grenade, le prêtre avait été jeté du haut du clocher. C'était quelque chose absolument d'abominable. After the massacre, the Germans burnt the village. Every family was affected. The names of the dead are memorialized and honored every year on the anniversary of the massacre. Dun-les-Places was not the first nor the worst incidents of barbaric German reprisals in World War II. But it was part of a savage cycle of resistance and reprisal that infected the bitter struggle between the French resistance and the occupying Nazi forces. This reached a climax in the period after the Normandy landings.
It's still a potent memory for the whole community. 60 years on, the French are still coming to terms with this period of their history, its courage and its shame. Four years before the events at Dun-les-Place, at 5:30 a.m. on the 10th of May 1940, German forces invaded Belgium, Holland, and Luxembourg. 3 days later, they slipped around the north of the French defences on the Maginot Line, crossed the River Meuse, and drove into the heart of France. French forces, falling back before the onslaught, were continually hampered by roads clogged with refugees. They had no time to regroup and counterattack. By the 20th of May, German panzers had reached the channel. On the following day, a British counterattack on Arras failed, and the British Expeditionary Force began falling back to Dunkirk. On the 24th of May, von Rundstedt halted the German panzer forces outside Dunkirk for reasons that have been controversial ever since. Boulogne fell on the 25th, Calais on the 27th, and Belgium surrendered a day later. Between the 27th of May and the 4th of June, 338,000 men were evacuated from Dunkirk, 110,000 of them French. The German forces turned south. Strong French resistance south of Peronne and Amiens failed to halt the German advance. Paris fell on the 14th of June. Prime Minister Reynaud resigned and was replaced by Philippe Pétain, a hero of the First World War, who asked for an armistice. On the 22nd of June, France surrendered. German Blitzkrieg had triumphed. French morale was shattered. In the course of the campaign, she had lost 120,000 killed and 230,000 wounded. Far more than the Dutch, Belgians, British and Germans put together. 2 million Frenchmen, 5% of the population, had been taken prisoner. 1.5 million of whom were transported to Germany. Massive numbers of people had fled their homes. When German troops rolled into Paris on the 14th of June, there were only 800,000 people to see them arrive, out of a pre-war population approaching 3 million. The population of Chartres fell from 23,000 to 800, Troyes from 58,000 to just 30. Cities further south were glutted with refugees. Bordeaux's population doubled to 600,000. Pau had to deal with 100,000 homeless. Under the terms of the armistice, France was divided into zones. The north was occupied and access to the coast was forbidden. A large area of the northeast, including Alsace-Lorraine, was effectively annexed into the Reich. Only the south remained under French control. Pétain moved the seat of French government to Vichy, an insignificant spa town that had been a pre-war tourist destination and therefore had enough hotel rooms to accommodate the influx of officials. In a broadcast at the time, Pétain spoke of embarking on the path of collaboration. It was a path that ultimately led to his government becoming a willing instrument of Nazi policy, bringing lasting shame to France. But at the time, many people accepted Pétain as a savior. Cette débâcle a été tellement importante, tellement considérable et tellement inimaginable que trouver en la personne du maréchal Pétain la personne qui allait mettre fin à la guerre, fin au combat, était finalement la meilleure solution pour tous.
Il y a un grand historien français qui s'appelle Henri Amouroux qui a écrit un livre sur cette période et sur l'armistice. Et ce livre est intitulé « 40 millions de pétainistes ». 40 millions, c'était le total de la population française de l'époque. Et finalement, je pense que c'est une vision relativement juste. Presque tout le monde a été pétainiste au moins pendant quelques mois. A recently promoted French general, Charles de Gaulle, who had taken part in the unsuccessful battle to save France, slipped away to London on the 16th of June. The Vichy government condemned him to death as a traitor. Undaunted, de Gaulle immediately set about recruiting Frenchmen to continue the fight. In the Museum of the Order of the Liberation in Paris, one of his recruiting posters aimed at Frenchmen living in England and based on his first radio broadcast to France on the BBC has been preserved. Gérald de Gaulle a fait son premier discours à Londres, comme tout le monde le sait, le 18 juin 1940. Le discours est la première fois où l'on parle de résistance, puisque la fin du discours reprend cette phrase « Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas ». Ce discours du 18 juin, qui est extrêmement célèbre, est finalement un discours qui a été très peu entendu le 18 juin 1940, aussi bien en France qu'ailleurs, mais quand on a commencé à parler un petit peu d'un général à Londres, un général français à Londres, qui appelait à la résistance et qu'on a entendu dire qu'il s'appelait De Gaulle, les gens, les Français, beaucoup de Français ont cru que c'était un faux nom. Parce que vous savez que l'ancien nom de la France, c'est la Gaule. Et donc beaucoup de gens ont pensé que c'était un pseudonyme et que c'était pas possible de s'appeler De Gaulle. The Vichy government estimated that 300,000 people listened to de Gaulle's radio broadcasts regularly by the beginning of 1941, and 10 times that number a year later. But in the summer of 1940, very few French people were thinking of active resistance. In the northern zone, where many families had lost breadwinners and the mass exodus had sorely disrupted employment and the supply of goods and food, they were simply preoccupied with surviving the harsh conditions imposed by their new masters. Travel was restricted, newspapers were censored, identity cards were mandatory, curfews were imposed, and just getting enough to eat became a major issue. Resistance began silently, in the minds of a few, as a simple denial. Le début de la résistance, c'est non. C'est non à Vichy, non à Pétain, non à la collaboration, non à l'occupation allemande. C'était ça. Et ces gens-là étaient isolés. Ils disaient non, mais ils ne savaient absolument pas où aller pour trouver d'autres. C'était des réseaux qui étaient absolument terribles, parce qu'ils étaient vraiment d'une étanchéité complète. On ne pouvait pas passer d'un homme à l'autre, c'était absolument impossible. Et alors on avait l'impression de traîner un secret très lourd, et on avait peur, en en parlant, de commettre une indiscrétion qui compromette les autres. Under a regime where showing any form of defiance might trigger a harsh, even fatal response from the authorities, resistance was at first non-violent. It began as a war of words. One widely used symbol of defiance was the V sign. It could be rapidly scrawled on pavements, walls, posters, metro carriages, or anywhere that a malcontented citizen could act unobserved. A wittier tactic was to deface the German no smoking signs that appeared everywhere. By striking out letters, Rauchenverboten could be reduced to Rasswert. A sly dig at the Nazi obsession with race and the muddy green uniform of the Wehrmacht soldier. In the south, Vichy had sought to replace the old Republican slogan of Liberté, Égalité, Fraternité with the phrase Travail, Famille, Patrie, work, family and country. Critics quickly distorted this to Trahison, Famine, Prison, treason, hunger, prison. By means of such small gestures and mockery, resentment slowly blossomed into resistance. There were some brave French citizens for whom acts of defiance were instinctive.
quand ils plantaient des affiches de propagande pour eux, qu'il fallait faire confiance aux soldats allemands, qu'ils allaient protéger. Du reste, je ne sais pas s'il n'y en a pas une là. On voit un soldat allemand avec un enfant dans les bras qui dit « Faites confiance aux Allemands, ils vont vous protéger, ils vont vous donner du travail, patati patala. » Alors, nous, les premières choses qu'on a commencé par faire, c'est d'arracher les affiches de propagande. Voilà. Hein? Et alors, après, on s'est mis à imprimer des petites affiches à nous, hein? Et puis, on les plantait à la place. Bon. Alors, quand on dit ça à des jeunes, c'était le commencement. Ils ont l'air de dire, si c'était ça la résistance, mais ils n'ont pas l'air de se douter que si on avait été pris, c'était pareil, hein, on passait par les armes. Hein? Over the course of the occupation, clandestine publications became hugely important sources of news and encouragement to the population at large, countering German propaganda and urging their readers to shun the collaborationist press. Ceci, cet exemplaire-là, est un numéro du journal Le Franc-Tireur, qui est l'organe de presse, le journal du mouvement qui porte le même nom. Et il y avait comme ceci un nombre important de journaux différents qui sont des journaux de la presse clandestine, hein, et qui sont des journaux des mouvements de résistance, comme Franc-Tireur, comme Combat, Libération par exemple, et également des journaux qui sont des journaux des partis politiques interdits, par exemple le journal L'Humanité, qui a reparu dans la clandestinité, ou le journal Le Populaire, qui est un journal d'avant-guerre, journal de la SFIO, du Parti Socialiste Français, et qui a reparu clandestinement à partir de 1943. Et également des mouvements de résistance comme le Témoignage Chrétien, qui est un mouvement de résistance catholique. The wide variety of pamphlets produced by different organizations with different agendas reflected conflicts of interest that were to dog the resistance and their supporters abroad in the months and years to come. And in the early stages of the occupation, while these voices were hardly heard, there was little to encourage either de Gaulle or the British government on the other side of the Channel. In June 1941, a year after the fall of France, an event occurred that changed everything. Hitler reneged on his non-aggression pact with Stalin and sent his forces into Soviet Russia. A decision that was to end in the total ruin of the Thousand-Year Reich. But all that was in the future. In the immediate term, it provided an enormous boost to the resistance and its activities. Hitler's decision to invade Russia in the summer of 1941 was enthusiastically supported by the Vichy government and its anti-Bolshevik supporters. But that view was not universally shared. For many ordinary French citizens, it brought fresh hope. L'invasion de l'Union soviétique par les troupes allemandes, ça a été un changement très important pour la résistance française, parce que ça a été d'abord l'espoir qu'un deuxième front s'ouvre à l'Est, alors qu'on savait que un jour ou l'autre, on l'espérait en tout cas, le front de l'Ouest reprendrait. Et donc l'idée de cette guerre sur deux fronts à mener pour les Allemands, c'était l'espoir que les choses iraient plus vite. Et la deuxième chose, c'est que ça a libéré en France la résistance communiste. La résistance communiste qui avait individuellement, qui existait déjà avant l'invasion de l'Union soviétique, c'est vrai, mais qui n'existait pas d'une manière massive en raison du fameux pacte d'amitié germano-soviétique signé en août 1939 entre Hitler et Staline. Avec l'invasion de la Russie, le pacte est rompu et à ce moment-là, les militants communistes français peuvent rentrer intégralement dans la résistance en France. Free at last to confront the traditional fascist enemy, the French communists brought structure and experience in clandestine activities to the resistance, as well as a new militancy. In their ranks, the communists numbered combatants who had fought with the international brigades in Spain. On the 21st of August 1941, one of these battle-hardened veterans shot and killed a German subaltern in the Paris metro.
His actions opened the floodgates to violence. Another soldier was killed in a Paris station 2 weeks later. On October the 20th, communists killed a Feldkommandant outside Nantes Cathedral. On the following day, there was a further killing in Bordeaux. By the end of the year, there had been 68 attacks, many of them acts of sabotage, but deliberately aimed at military personnel. The Germans were quick to respond. On the day after the first killing in Paris, hostages were taken and shot. The Bordeaux killing triggered the slaughter of 50 hostages. Many of these were communists already imprisoned by the Germans. Thus began the cycle of attack and reprisal that continued throughout the occupation. On the 23rd of October, the day after the Bordeaux hostages died, de Gaulle, speaking from London, counseled restraint until we are in a position to go on the attack. But he was in no position to impose his will on a multiplicity of resistance groups representing numerous political viewpoints, often hostile to each other and suspicious of him. Vous avez une résistance communiste qui est symbolisée par un mouvement qui s'appelle Front National, hein, et qui va créer une branche armée qui s'appellera les francs-tireurs et partisans, les FTP. Vous avez l'armée secrète qui est une résistance, on va dire, gaulliste, pro-gaulliste. Et puis vous avez aussi d'autres organismes, l'organisation de résistance de l'armée, qui va trouver ses éléments dans l'armée française d'armistice, l'armée qui dépend du maréchal Pétain, dont un certain nombre de cadres vont participer aussi à la résistance, avec des idées politiques peut-être assez réactionnaires, hein, caractéristiques de la droite française. Vous avez des milieux syndicaux, des mouvements dans lesquels des anciens membres des syndicats français vont entrer. Finalement, la résistance française est tout à fait multiple dans ses formes et dans ses idées. The man who did most to achieve de Gaulle's vision and unify the disparate resistance groups was Jean Moulin. The most famous picture of him, actually taken before the war, has come to symbolize for the French the very essence of resistance. In 1940, in his role as préfet in Chartres, he refused to endorse a document stating that villagers at Saint-Jean-sur-Eure had been killed by Senegalese soldiers in the French army, when they had in reality been killed by the Germans. He was imprisoned and beaten up, and fearing that he would succumb to torture, cut his own throat with a piece of glass. He survived and was released. C'est aussi pour cette raison que cet objet-là, qui est l'écharpe, une des écharpes de Jean Moulin, est un objet symbole de cet homme qui s'est ouvert la gorge, hein, pour refuser d'obéir aux Allemands, mais qui portera toute sa vie ensuite une cicatrice, cette cicatrice qu'il masquait avec une écharpe pendant toute la durée de ses activités dans la résistance en France. Jean Moulin joined de Gaulle in London. And as his delegate general to the occupied territories, undertook two long missions to France. There he succeeded in persuading the three main southern resistance movements, Henri Freinet's Combat, Emmanuel Dastier's Libération, and the communist FTP led by Jean-Pierre Lévy, to work together under the title Mouvement Uni de la Résistance. The MUR's military wing was called the Armée Secrète, led by General Delestrain and pledging allegiance to de Gaulle. In the northern zone, no less than 16 organizations unified under the banner of the Conseil National de la Résistance, CNR. On the 21st of June 1943, Moulin was captured in Lyon by the Gestapo and died in their hands. The reward for resistance groups that cooperated with London was equipment dropped by parachute from RAF planes. The availability of supplies encouraged the growth of networks with military goals beyond minor sabotage or creating escape routes.
key pieces of equipment were suitcase radios, which gave Résistants a significant role in providing intelligence and remaining in touch with London. Vous voyez le système sans rentrer dans le détail. Vous avez le moyen d'émettre avec ceci, hein, ce qu'on appelle le piano en français. Hein. Les opérateurs radio étaient appelés les pianistes à cause de ce moyen de transmettre des codes en morse. Et vous avez également des écouteurs hein, qui vous permettent d'entendre évidemment les autres émissions. Alors l'usage de ces postes a été une chance très importante pour la résistance parce qu'elle a permis de communiquer, donc d'envoyer des informations en temps réel, c'est-à-dire immédiatement, hein, et de recevoir également des informations en provenance de l'Angleterre. The trickle of parachute drops began to increase in 1943, becoming a veritable deluge in the weeks around D-Day. But it was never enough. Almost without exception, resistance groups complained of the lack of arms and explosives. Most of the weapons supplied were light, including the famous Sten. C'était surtout des Sten qu'on avait. C'était bon quand vous tiriez en rafale, ou alors fallait être à un mètre du type que vous vouliez tuer, parce que c'était pas tellement précis, hein. Bon, mais enfin, bon. On avait des bons fusils anglais qui nous ont parachutés. Ils étaient épatants, les fusils anglais. Allied landings in North Africa in November 1942 provoked an immediate response from the German forces in France. They moved south to occupy the Vichy zone and protect their vulnerable southern flank. One effect was to further discredit Pétain's government, which had already provoked contempt amongst the population through its slavish collaboration with the occupying power. Not least of its contemptible actions was to participate in the rounding up and deportation of Jews, 42,500 of whom were sent to the death camps in 1942. With the southern zone occupied, any remaining pretense at independence was revealed to be a sham. And Vichy was about to embark on a course of action that would seal its fate. At no time after the invasion of France was German military production sufficient to meet Hitler's needs. And as more and more Germans were conscripted into the forces, the need for workers to increase production of weapons and military equipment increased. The only solution was to recruit them from her conquered territories. This was to have hugely significant consequences. In 1940, after the armistice, there was a drive to recruit people to work in Germany. The French were not seduced. By the beginning of October 1941, only 48,500 people, 14,500 of them women, had volunteered. The result was miserable by comparison with the million workers Germany had garnered from Poland and the 150,000 from Czechoslovakia. Belgium and Holland, smaller but subject to more draconian measures, supplied 120,000 and 90,000 respectively. Even neutral Switzerland sent 17,000 volunteers. A second recruitment drive in France netted a further 150,000 workers, but it was not enough. In 1942, Pétain's deputy, Pierre Lavard, saw an opportunity to turn the situation to Vichy's advantage. Vichy's credibility had always suffered from its inability to persuade the occupiers to repatriate the 1.5 million French soldiers held in POW camps in Germany. Laval struck a deal with the man Hitler had appointed to exploit foreign labor, Fritz Sauckel. In a scheme known as the Relève, Germany repatriated one POW for every three French volunteer workers supplied. But events overtook Laval's plans. At the opening of 1943, as the German 6th Army collapsed and surrendered at Stalingrad, Sauckel needed 500,000 workers fast. On the 16th of February, Laval was forced to bring in the Service de Travail Obligatoire, STO, which specified a 2-year stint in Germany and for which all Frenchmen between 20 and 22 were required to register.
Many refused and took to the hills. Lorsqu'on refuse d'aller travailler en Allemagne, on va devenir un clandestin. On va être obligé de quitter sa maison, sa famille, son identité et se réfugier où l'on pourra. Et c'est grâce, finalement, indirectement, à la création du STO que les jeunes gens qui ont refusé d'aller travailler en Allemagne ont formé et alimenté les maquis sur le territoire français. Et grâce finalement au STO, à la fin de l'année 1943, il y avait en France environ 50 000 maquisards sur l'ensemble du territoire français, dans des régions de montagne, dans des régions de forêt. Maquis comes from a Corsican word to describe a landscape of dense shrub and woodland. It marks an important shift from what had been predominantly urban resistance to a rurally based form of resistance initially in the southern zone. Some areas had their own traditions of rebellion and resistance, like the Morvan in Burgundy, where foresters and farmers had been at odds with governments and tax collectors for centuries. Here, as elsewhere, the young men and women who refused to register for forced labor in Germany found a warm welcome. Il y a déjà des embryons de maquis avant, des 41, 42, dès 42. Dans la région, effectivement, il y a déjà des hommes qui sont cachés, clandestins, qui se cachent en étant bûcherons, en travaillant dans les bois. Et surtout, à partir de 43, février 43, ils vont accueillir tous ces jeunes réfractaires au STO. Il va y avoir des filières, en quelque sorte, pour les accueillir, pour les protéger, pour les réfugier, dans un premier temps. Et ça sera les premiers embryons de maquis en 1943, où arrivent, effectivement, tous ces jeunes réfractaires. Ça va accroître effectivement les effectifs de la résistance. Joining the Maquis meant becoming an outlaw. As well as the 20 to 22 year olds first targeted by Laval's STO who fled to the roads, woods and hills to find refuge, there were other refugees from the Reich. To be a member of the Maquis was to be both a bandit and a soldier. Il y avait aussi des étrangers dans cette résistance, des mineurs polonais de Montceau-les-Mines en particulier. On pourrait rajouter aussi des réfugiés espagnols, républicains, qui sont venus également dans la région. Donc on peut dire une résistance plurielle en quelque sorte, où il y a des horizons différents, des ouvriers, mais également des intellectuels. Et puis la population locale. On était tous unis et c'est ça qu'on a essayé de garder après. La résistance, on avait un seul fil conducteur, c'était pas bouter l'anglais hors de France, comme Jeanne d'Arc, c'était bouter l'allemand hors de France. C'était notre fil conducteur, voilà. On était tous d'accord pour ça. On parlait pas de politique, on parlait de rien du tout, c'était ça, on était là pour ça, voilà. Group loyalty was always strong. Bands had their own culture, style, name and structure. Some democratic, some autocratic, but all typically owing their existence to a single strong leader. The relationship with the local population was close. Jean Langy, who was departmental head of the Nièvre region of the Morvan, recalls how the Germans first threatened to kill villagers suspected of supporting the resistance, and then set about looting. Qu'ils sont partis, ils ont volé tout ce qu'ils ont pu, les poules, les lapins, les saloirs, ils ont vidé les saloirs et ils ont accroché ça sur leur camion. Et il y a un officier qui a dit, vous nourrissez les terroristes, vous allez bien nous nourrir aussi. Par conséquent, quand on est revenu, on s'attendait à avoir un accueil plutôt froid. Eh bien, pas du tout. Les paysans malins avaient su cacher beaucoup de choses, ils s'en étaient fait prendre, mais pas trop, et ils nous ont invités à leur table. On était vraiment des poissons dans l'eau. An out-of-the-way château in the hamlet of Vermeaux was taken over as a hospital by the Maquis. The surgeon who used it as his base was Alec Prochance. Et alors dans le Maquis, je suis tombé sur un endroit
où il n'y avait pas même une ébauche de service de santé. Il n'y avait pas de médecin encore dans les maquis. La plupart sont arrivés à la libération. Et c'est pour ça que j'ai pensé qu'il fallait faire une équipe mobile, motorisée, dans une voiture, qui puisse opérer n'importe où. Et inutile de vous dire que j'ai fait de la chirurgie de maquis, la chirurgie romantique, que j'ai opéré dans les forêts sans rien, avec des instruments qui trempaient simplement dans une marmite dans laquelle il y avait de l'eau de vie, parce que j'avais même pas assez d'alcool, de l'eau de vie et c'était tout. Jeannette Collard worked in the post office at Clamcy in Burgundy, where she was well placed to intercept mail for the local German headquarters. It was dangerous work because some of her female colleagues were sleeping with the enemy. C'était des factures d'artisans qui avaient travaillé pour les Allemands. Bon, ben, on les faisait suivre. Hein. Puis on ne pouvait pas faire ça tous les jours et puis pas longtemps dans la journée. Et alors, ben, les autres, par exemple, ceux qu'on n'envoyait pas, eh ben, on fichait ça dans la chaudière du chauffage central et puis au revoir. When the Germans occupied the Vichy zone in November 1942, they disbanded the Armée de l'Armistice, the token military force that Pétain had been allowed to retain up to that point. Vichy needed a new force, and Pierre Laval, Pétain's deputy, found it in the Service de l'Ordre Légionnaire, a bunch of ultra-collaborationist toughs who were bent on carrying on the fight against Jews, Freemasons, Communists and Gaullists. From these were recruited a new militia, or milice. Une partie de cette milice française, qu'on appelle la Frangarde, va devenir le bras armé de l'ultra-collaboration, c'est-à-dire en fait une police politique au service de la Révolution nationale et des idées du maréchal Pétain. Cette police politique va devenir l'équivalent français, si l'on peut dire, de la Gestapo allemande. C'est-à-dire que son rôle principal va être la chasse à ce que le gouvernement de Vichy appelle les terroristes, c'est-à-dire les résistants, les maquisards. The milice launched a cycle of assassinations, settling old scores with those they regarded as undesirables. As hatred of them increased, they became even more vicious. Even Pétain deplored their hideous reputation. In the eyes of the resistance, they were worse even than the occupiers, traitors who had dishonored France and deserved no mercy. When they were captured, they were summarily shot. As the months passed, revenge killings on both sides became increasingly indiscriminate. When the chief of the milice at Voiron et Grenoble was targeted by the Maquis in April 1944, they also killed his wife, son, daughter, and mother. But the Maquis had other things on their minds than the murderous game of tit-for-tat between themselves and the milice. The tide of the war had turned, and they were about to make their most significant contribution to the liberation of France. The Normandy landings on the 6th of June 1944 triggered a massive upsurge in resistance activity. Much of it had been planned in the weeks and months leading up to the invasion, with the support of three-man liaison teams and other SOE agents parachuted into France specifically to contact resistance groups. Je crois que, au moins dans le Morvan, ça a eu une importance primordiale pour le développement de la résistance armée. Ça nous créditait aussi auprès des alliés pour l'envoi d'armes, parce qu'ils faisaient des rapports et leur disaient, ben voilà, il y a tant de maquisards, c'est solide, c'est sérieux, ce qui fait que Londres était plus enclin à nous envoyer du matériel. Et le matériel que nous avons reçu à partir du 6 juin a été considérable. C'est par tonnes que c'est tombé, parce que nous avons pu armer à peu près 10 000 hommes, l'effectif d'une division, grâce à eux.
Formally, the D-Day landings marked the final integration of de Gaulle's Free French forces and the resistance into the FFI, Force Française de l'Intérieur. But from the point of view of the Allies, the resistance remained a superb grassroots guerrilla organization, at its best in acts of sabotage, hindering rather than confronting its enemy. It could delay the retreat of the Wehrmacht, and critically, it could delay the arrival of reinforcements in Normandy. General Eisenhower went on record saying that in this capacity, the actions of the resistance were worth 12 divisions of regular troops. Et par exemple, le plan vert, qui était le plan qui visait la destruction des voies de chemin de fer, a été mis en application sur tout le territoire d'une façon particulièrement extraordinaire, hein, et a empêché véritablement les Allemands, dont les divisions blindées voyageaient normalement sur les trains, hein, d'acheminer comme ça des renforts sur le front de Normandie. Voilà ce qu'on peut dire. Il y a eu un rôle vraiment très important dans les toutes semaines qui ont suivi, les toutes premières semaines qui ont suivi le débarquement le 6 juin 1944. In Brittany, where it had always been strong, the resistance fought pitched battles with the Germans, liberating Saint-Brieuc, Quimper, and Nantes by themselves in advance of Patton's tanks. In the following weeks, all over France, German forces found themselves subject to savage ambushes by the resistance. Il y avait des embuscades tous les jours à plusieurs endroits. Voilà. Alors, on n'a pas. Alors, vous savez. On a perdu en tout 17 hommes, hein. Tandis qu'on a fait beaucoup de victimes allemandes parce que nous, le terme est exact, on était en embuscade, on était cachés, puis les autres arrivaient et ne voyaient pas. Hein. Alors, comme cible, pof, c'était parfait. Hein. Bon, hein. Moi je vois une embuscade de... c'est celle du 2 septembre, je crois, à Boulot, hein, un petit peu après Clamcy, là. Et bien ce jour-là, on a quand même descendu 100 Allemands. Alors, à partir du débarquement en Normandie, il est évident qu'un certain nombre de maquis français et de régions occupées par des résistants français ont senti un enthousiasme extraordinaire à l'idée de la libération du territoire, libération à laquelle il voulait absolument participer le plus rapidement possible et de la façon la plus active possible. Et il y a eu effectivement un certain nombre de lieux qui ont voulu se libérer par eux-mêmes et d'ailleurs qui sont parvenus au mois de juillet, août 1944, à se libérer des Allemands sans l'aide des forces alliées. Between January and July, the Maquis staged uprisings on the Glière Plateau in the Haute-Savoie, at Montmouchet in the Auvergne, and on Vercors Plateau, southwest of Grenoble. London responded with parachute drops of equipment, but no heavy weapons and supporting troops. Nevertheless, the Germans took the threat seriously. They deployed substantial forces, including an Alpine division, paratroopers, and artillery supported by air cover. In all three operations, they smashed the resistance forces and hunted them down. 630 Maquisards died at Vercors. In the final days, their leader, Eugène Chavon, sent a bitter telegram to the Free French in Algiers and London, begging for men, food and equipment, and accusing them of being criminals and cowards. Ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du 19 juillet 1944, les Allemands ont encerclé toutes les routes, ont bouclé toutes les routes qui menaient au plateau du Vercors. Et le 21 juillet 1944, ce sont des planeurs allemands, avec à bord des parachutistes allemands, qui se sont posés sur le plateau du Vercors à 6h du matin. Et à ce moment-là, ça a été le début de la répression du maquis, et effectivement, ça a été un nombre de morts très important. Un village entier qui s'appelle Vassieux en Vercors, qui est un village dont tous les habitants pratiquement ont été tués et massacrés, femmes, enfants, etc. Ça a été pendant plusieurs journées une répression épouvantable. Mais cette raison, la raison finalement, c'est une mauvaise compréhension entre les services du général de Gaulle, on va dire, hein, entre les services secrets de Londres et d'Alger, et la résistance du Vercors. Voilà un exemple. The disasters of Glière, Montmouchet and Vercors nevertheless succeeded in tying up German forces that were desperately needed elsewhere.
but they provided a bitter lesson in what the French could expect as the tide of battle turned in the Allies' favor. In retreat, the Germans unleashed savage reprisals against all who stood in their path, massacring civilians and burning villages without pity or remorse. Dans les Places in the Morvan was just one of many that suffered atrocities at their hands. The local Maquis surgeon drove through the burning village on his way to the field hospital at Vermeaux, unaware that it too was in flames. Et sur le parvis, sur le pied de l'église, ils avaient installé un bûcher avec des flammes. Et ils brûlaient les gens dans ce bûcher. Et c'est quelque chose d'horrible. Et alors, il y avait pendu au clocher du village un homme qui était pendu par la ceinture. Et c'était le curé du village. Et des tireurs d'élite tiraient pour savoir qui couperait la corde. Comme ça, en tombant, il tombait dans le feu. C'est inimaginable la cruauté qu'ils ont montrée là. The atrocities committed by the retreating German forces only increased the determination of the resistance to confront their enemies and harry them every step of the way. On the 10th of June, SS troops of Das Reich, the 2nd Waffen-SS Panzer Division, massacred 642 civilians at Oradour-sur-Glane. 100 French prisoners were massacred at Saint-Genis-Laval on the 20th of August. On the following day, SS troops murdered 126 people at Maillé. The final weeks saw savage battles in which no quarter was given. It was inevitable that after the liberation, the rage and desire for revenge should spill over to include those who had collaborated with the Germans. It was known as l'épuration, the purification or purge. Some of it was moderated through military tribunals and due process. Much was not. Et puis, à côté de ça, il y a une épuration populaire, spontanée, qui a eu lieu un peu partout, au moment de la libération, dans les villages, dans les villes de province, à Paris, et qui était en fait beaucoup plus radicale et qui consistait souvent en des exécutions avec un semblant de tribunal ou un semblant de jugement, mais en réalité des exécutions relativement rapides. Hein? Et on ne sait pas encore donc aujourd'hui le nombre exact. Certains chiffres parlent de 10 000 personnes exécutées à la libération, et certains ouvrages sont allés jusqu'à 100 000 personnes. Très vraisemblablement, on est plus près des 10 ou 15 000 personnes victimes de cette épuration massive. Not all were killed. Among the most notorious images of this period are those of women who were accused of sleeping with the enemy, collabo horizontal, as they were known. Shaven and exposed to public humiliation. The doctrine of accountability at the heart of the épuration, so long promised by the members of the resistance themselves, was often vindictive, personal and violent. Souvent, cette épuration a aussi pris la forme de règlements de compte. Il faut le dire franchement, ça n'était pas toujours pour des pensées uniquement politiques et pour des raisons réelles de collaboration, mais il y a eu parfois de simples règlements de compte entre des personnes qui avaient un fusil et des personnes qui n'en avaient pas. Many Vichy officials, supporters and collaborators escaped to Germany, but Pétain and his deputy Laval returned to face trial. Laval was condemned to death and shot by a firing squad after trying to poison himself. Pétain had his death sentence commuted and died in exile on an island off the Brittany coast in 1951. When French forces arrived in Paris on the 25th of August 1944, they were met by between 50,000 and 60,000 people on the streets wearing armbands like the ones produced by this amateur press, identifying them as supporters of the FFI and the resistance. True members of the resistance gave them contemptuous nicknames like Résistance of the Month of August or Septembrists.
But as order and government returned, members of the resistance found themselves increasingly sidelined. Many went on to fight as regular soldiers in the Allied advance on Germany, but many did not. Their dream of expelling the occupiers had already been achieved. History moved on. The 4 years of the occupation confronted a generation of French citizens every day of their lives with terrible decisions. Rarely was it a simple choice between active collaboration and outright resistance. Sometimes those decisions had tragic consequences. In the end, the forces of resistance triumphed. The present generation honors them and continues to count the cost.